Salut les gars, voilà, on se retrouve aujourd'hui à Beauvais sur le triathlon. Alors Mickey et Oli sont en train de faire les inscriptions. Pour ma part, aujourd'hui, moi c'est relax, je suis juste venu pour les accompagner et vous montrer toute cette belle course aujourd'hui. Donc on a de la chance, il fait super beau. Et donc Mickey et Oli sont en train de récupérer leurs inscriptions. Donc c'est parti, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Allez, here we go. Voilà, on se retrouve ici, on est plus ou moins sur la moitié du parcours natation, donc ils viennent de partir il y a, je pense, une grosse quinzaine de minutes. Mon but à moi maintenant, c'est de les voir juste sortir de l'eau et de pouvoir leur donner une plaque, plus ou moins dans ce qu'ils ont fait en natation. Ici, c'était vraiment un départ groupé, donc comme on a pu le voir, pas du tout en départ rolling start comme sur Ironman. Donc ça a un peu chahuté, donc je serais curieux de voir un peu où ils se situent. Leur natation est relativement bonne. Maintenant, il faut voir dans quelle intensité ils sont partis. Là, on va pouvoir voir au niveau des places. Et après, on va les rejoindre directement sur le départ vélo. Donc voilà, allez, on continue ensemble, c'est parti. Bon voilà, Nicky et Oli sont partis enfin à vélo. Donc ils ont 3 boucles de 28 à faire. On va les retrouver sur un point où ils doivent repasser. Comme ça, je vais pouvoir leur donner leur place. En termes de natation, Oli sort premier dans le top 40 et Nicky sort deuxième dans le top 50. Donc des bonnes natations, je pense, parce que les premiers tournaient quand même en moins de 27 minutes. C'est quand même balèze. Bon allez, c'est parti, on va les retrouver. Bon voilà, le deuxième monde vient de me passer devant, ils sont vraiment très très rapides, je suis dans une descente, donc malheureusement je vais pas savoir voir énormément les coureurs, mais je vais déjà pouvoir les compter et donner les informations à Oli et à Lupi, mais je pense que ça va aller assez vite. Il est 11h25, donc le parcours a l'air d'être très rapide de ce que j'ai vu, enfin parce qu'on m'a dit apparemment il n'y avait qu'une seule bosse, et là on est en plein dans la descente, donc je pense qu'ils sont à peu près à 60 km/h, donc de quoi se faire plaisir. Par contre là il y a un tournant quasiment un peu angle droit, donc il va falloir faire vraiment gaffe quand on descend, mais ça je pense que ça a été relativement bien géré par l'organisation, ils ont l'air d'avoir fait ça vraiment correctement. Donc voilà, j'attends Nicky et Oli, allez c'est parti. Bon voilà, Oli est pas mal remonté, il sortait dans le top 50, là il est sur un top 25, bien fait, j'ai calculé un petit peu les temps, je pense qu'il va bien remonter sur le vélo, même si ça va commencer à devenir un peu plus compliqué, parce que les premiers roulaient vraiment très très vite, et alors Nicky lui fait plus ou moins un statu quo par rapport à sa position de départ, on va voir, parce que c'est quand même que le premier tour, il faut savoir que nous on est des athlètes plutôt sur des longues distances, donc je pense que la course va commencer dans le 2, voire peut-être même dans le 3ème tour, que Nicky pourrait commencer à bien remonter. J'ai l'impression qu'actuellement ce sont des gens qui veulent rouler très vite, mais qui ne calculent pas qu'il y a un 3ème tour qui va se donner, surtout qu'il y a une belle bosse au début de chaque tour. Donc voilà, on va voir un peu ce que ça va donner. Nicky a tiré un petit peu la grimace sur le vélo au passage, et Oli avait l'air d'être plutôt étonné du temps que je lui avais donné. Donc on suit ça pour la suite, j'attends voilà leur deuxième tour, maintenant ça va commencer à s'enchaîner au niveau des vélos puisque le gros paquet va arriver,
Mais eux, normalement, devraient repasser d'ici une bonne cinquantaine de minutes. Donc, on va voir ça tout de suite. Bon, les petits amis, voilà, je suis revenu sur le parc à vélo. Normalement, le premier devrait arriver d'ici quelques minutes. Ça va, il roule très très vite quand même. Je pense qu'il a fait 50 minutes. Ah ben le voilà qui arrive. Je vais aller vous le montrer directement. Je crois qu'il a fait le deuxième tour en moins de 50 minutes sur les 26-27 km, ce qui donne un 33-34 avec un beau petit dénivelé. Il doit être très très puissant. On va aller voir directement, voir sa transition et son départ à pied. Je vais mettre en route le chrono en même temps pour pouvoir le timer. Donc c'est parti. Je fais tout en même temps, c'est pas évident. Alors, 13ème, t'es à 16,50 du premier et le top 5 est à 8 minutes. Bon voilà, Olivier vient de passer devant moi, je lui ai donné quelques informations que j'avais. Donc il est 13ème je pense, avec 16 minutes de retard sur le tout premier, qui était vraiment une grosse machine puisqu'il est vraiment parti très très vite. Et à 8 minutes d'un top 5, bon apparemment ça a pas l'air que ça va tenir, donc il pense arrêter après le premier tour. On avait dit que le but c'était de vraiment rouler très fort et de pouvoir au moins courir un premier tour à bloc. Donc on va voir ce que ça va donner pour Oli. Je vais retourner voir si j'ai plus d'infos pour Nikki. Allez, parti. Bon voilà, Nikki vient de passer devant, il a bien remonté, il a repris 20 places je pense là, il était sur un top 40, donc vraiment très très bien. Donc je pense qu'il doit être pas mal classé au niveau de sa catégorie, donc après avoir au niveau des classements comment ça va se faire au niveau des âges, mais je pense qu'il est pas mal. Il s'est sûrement réservé encore une fois sur le vélo pour arriver à courir, mais on va voir ce que ça va donner toute cette course ici à Beauvais. Allez, on se retrouve plus tard. Salut petits potes, voilà, on se retrouve, fin de journée aujourd'hui. Donc Olivier et Nikki se sont arrêtés donc après leur premier tour. Ils ont très bien roulé, ils ont assez mis la patate. Le parcours à vélo était vraiment pas évident. Ensuite ils ont démarré à pied sur leur vitesse tempo. Ils se sont arrêtés après le premier tour, pourquoi? Parce que c'est un entraînement, c'est pas une compétition, c'était plutôt pris comme un entraînement. Donc franchement très très content de leur performance. Et maintenant on sait sur quoi... ils vont devoir travailler. Donc, le prochain entraînement avec eux sera sûrement sur le vélo et pouvoir tourner les jambes à fond aussi. Voilà, pour aujourd'hui c'est terminé, il a fait super bon. L'ambiance était terrible ici donc à Beauvais. Par contre le parcours apparemment à vélo est assez dur et assez cassant, donc pas évident de pouvoir rouler avec un chrono. Et alors le parcours à pied se fait sur un aller-retour autour du lac. Apparemment c'était vraiment très très beau et les paysages étaient vraiment très sympas à faire. Un petit plus pour ce triathlon de Beauvais. Donc voilà, pour aujourd'hui ça se termine. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Julien, ciao ciao.